Alors Silencio, c'est un comics qui traite du basket en milieu carcéral, où on y suit un protagoniste qui s'appelle Chikwe. On ne sait rien sur son histoire, on le découvre au fur et à mesure du récit. Il se fait incarcérer et en gros, il va essayer de se sortir de l'esprit carcéral, on va dire, au travers du basketball. Alors en fait, c'est Olivier Jalabert et Glénat qui ont eu l'idée du format. Moi, j'avais dit que je voulais faire un comics. J'adore le format comics, en fait. J'aime bien le fait qu'il y ait finalement... Le format, ce format-là, comme ça, c'est toute mon enfance. Donc c'est ça qui me plaisait, en fait. Alors les années 90, c'était un choix parce que c'est une époque où le... Alors là, on va rentrer dans le basket, où le basket n'était pas encore starifié comme aujourd'hui. Et c'était quelque chose... c'était un peu plus quelque chose d'initié, quelque chose qui venait vraiment de la rue. Il y avait beaucoup moins de licenciés qu'aujourd'hui, etc. Donc c'était un accès à la culture via la rue. Et donc cette période me semblait la plus judicieuse et la plupart des documentaires que j'avais vus sur le basketball en prison se passaient dans ces époques-là. Et c'est une époque qui me fascine assez. C'est sûr qu'il a il a un passé très très complexe qu'on va raconter au fur et à mesure que le récit va avancer. On va comprendre encore plus pourquoi c'est un personnage qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer parce qu'il est muet. Donc à aucun moment il peut exprimer quelque chose. Justement, c'est là où tout le travail de Gabriel est assez impressionnant parce que arriver à Gabriel qui est le dessinateur, arriver à transmettre les émotions et la cassure qu'il a en lui, c'est quelque chose d'assez complexe sans parler, quoi. Donc du coup, à l'avenir, on en saura encore plus sur lui, mais ça risque pas de devenir si clair que ça, ça va pas aller en s'éclaircissant, quoi. Alors moi, en fait, j'ai été en contact avec notre éditeur, Olivier Jalabert, pour un autre projet que j'avais présenté, qui était moi, qui était déjà, alors sur un style, sur une histoire complètement différente, mais déjà, j'avais un style assez comics. Et en fait, c'est un projet que j'ai présenté à mon éditeur, sur lequel on a travaillé pendant un moment et qui finalement n'a pas été retenu. Mais du coup, c'est lui qui a trouvé que mon dessin et l'histoire de Wax matchaient bien. Et donc, il a commencé... à m'envoyer, à demander, vas-y, tu veux pas faire des essais sur le basket, sur la prison, des trucs. Donc je commençais à faire des essais, et on l'a envoyé à Wax et ça lui a beaucoup plu. Du coup, on a commencé à collaborer comme ça. Après, ça a été, donc c'est Wax qui a tout écrit. Moi, j'ai reçu, on en a un peu parlé, parce que Wax n'avait pas encore d'expérience en BD, donc il a fait une écriture. Donc moi, avec l'éditeur, on a transformé l'histoire en scénario. Et après, c'est bien passé. Moi, j'ai régulièrement envoyé des planches pour savoir si ça lui plaisait. Donc, il m'a corrigé sur certaines scènes de basket, parce qu'à la base, c'était pas un milieu que je connaissais bien. Donc, j'avais besoin de sur certaines positions, sur certaines anatomies, je reproduisais un peu ce que j'avais vu un peu, mais tout n'était pas juste. Donc, il est beaucoup intervenu sur ces points-là aussi. Alors, je fais du travail doc, donc Ben m'avait envoyé pas mal de docu à regarder, donc j'ai regardé ça, j'ai un peu des films, ensuite j'ai commencé à regarder un peu des matchs, des choses comme ça. Je me suis inspiré, sur le côté carcéral, je suis plus allé du côté des séries, donc j'étais notamment sur la série Night Off du mec qui a fait The Wire, qui je trouvais qu'il y avait un vrai travail sur l'univers carcéral. Par contre, sur le basket, je suis beaucoup allé, pas chercher du côté du comics, mais plus du manga, sur Slam Dunk, qui est un peu la bible du basket en BD. Et donc, je me suis notamment pas mal inspiré de lui sur comment il raconte un match et comment il raconte... parce que c'est vraiment la base du travail, quoi. Donc pas forcément sur le style du dessin, mais sur le découpage de l'action. Je suis beaucoup allé voir Slam Dunk. Ils étaient assez bien décrits. Ben m'avait fait sur la plupart des persos, notamment sur tous les persos de la prison, pour lui, il m'avait envoyé à chaque fois à quel basketteur il pouvait ressembler. Donc il y a plein de personnages que j'ai travaillé par rapport à ça.
Puis il y a d'autres personnages par leur juste par leur leur écriture, enfin notamment la mère, enfin un personnage sur lequel j'ai beaucoup aimé travailler, ou le méchant Reggie, où je suis allé plutôt là vers un rappeur, vers Coolio, avec son côté, ses cheveux qui partent un peu en folie, un œil fou quoi un peu. Alors le deuxième sort en mi-septembre. Et après, ça sera 2 mois plus tard. Ouais. Alors, moi, j'ai commencé à travailler il y a un moment quand même, puisqu'on a signé le contrat en mai dernier. Donc, ça fait un moment. Mais en fait, finalement, j'ai eu un gros travail de recherche à faire. Et sur toute la... Je passais beaucoup de temps sur toute la première partie à essayer de vraiment de m'approprier ce projet-là, parce qu'à la base, c'est pas mon univers. Et les projets que j'avais fait avant, c'était des choses que j'avais écrites moi. Donc, il y a eu un gros moment de le dessin, comment je vais le traiter, le découpage, la couleur, un peu tout ça. Et donc là, le démarrage a été assez long, mais maintenant, je suis un peu au taquet et je travaille. Mais là, le deuxième est quasiment fini, donc à partir de juillet, j'attaque le troisième. Enfin, l'écriture est déjà finie par contre, je connais la fin.